Bonjour les gamers, ici Selv35. Ici Selv35. Et je suis Selv35 pour un nouveau MC4 Play où je suis une pyromane. Sur un monde. Et moi je vais faire fort joli, mais ma foi fort malsain et glauque. Un petit MC4 Play en prévention du Let's Play qui arrivera probablement après sur Don't Starve Together. Un Let's Play sur la chaîne MC4 Team et non pas sur la chaîne CLP35 comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, on vous fait un petit MC4 Play, un petit peu délire, on se promène sur ce jeu. De tous les jeux. Hein ? Le truc de chargement, c'est le truc le plus flippant de tous les jeux d'horreur. Bon, on a vu pire. Et donc là, si vous vous demandez, on est bien de jour, hein, actuellement. Et ceux qui connaissent pas Don't Starve, c'est un jeu de survie, vachement beau. Mais d'ailleurs... Et un peu glauque aussi, pas trop. Surtout le personnage que je vais prendre. Moi j'ai pris la pyromane. Moi j'ai pris Wendy, celle qui veut faire revivre sa sœur. Abigail, je veux jouer avec toi. YOLO. Abigail, hein, je veux brûler un arbre, la 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 la. D'ailleurs t'es immunisé contre les flammes aussi. Hein. Ouais, tiens, t'as déjà fait là. Bon, alors je prends des fleurs. Moi aussi j'aime bien éteindre. Alors moi je prends des fleurs pour pas avoir de problème avec ma santé mentale plus tard. Ouais, il faut en avoir une douzaine pour faire un colis de fleurs qui... Parce qu'on doit gérer plusieurs choses, je vous parle pas beaucoup du jeu. Notre faim, notre santé mentale et notre vie de manière générale. Si on manque de santé mentale, on sera attaqué par des hallucinations. Qui deviendront au fur et à mesure du temps réel. Voilà. Ah, c'est là que c'était pour moi. Méchant. Donc des fleurs. D'ailleurs on est dans un creux simple. Ouais. C'est un petit peu désert par contre. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais mais c'est bien pour trouver de la pierre dans ces coins. Ouais. Il y a une route d'ailleurs. Hein. On a une route. Ouais, moi je suis deux routes. Je suis un petit peu noob dans le jeu. Mais je connais deux trois bases quoi. Et j'ai découvert en tournant le let's play donc. Oh tiens une route. Cobble. Bah moi d'ailleurs je suis. Oh, d'ailleurs je vais pouvoir me faire. Évite d'attaquer ça, hein, c'est dangereux. Fanax a voulu essayer, ça a mal tourné. Ouais. Moi je cherche juste des fleurs aux alentours et quelques autres ressources du silex notamment. Le cobble qui est utile à attaquer, c'est une nid d'araignée. C'est le seul truc qui peut être utile d'attaquer en multijoueur. Ouais, surtout en multijoueur. Pour vous dire, ça permet de régénérer un allié mort. Ouais, parce que normalement, c'est comme Minecraft en hardcore, quoi. Mais en multijoueur, il y a moyen de faire revivre les morts, et c'est seulement si on est mort tous les deux que ça arrête le serveur. Oh, tiens. Oh, putain. Oh, je me casse. Le truc, selon Fanax, hyper rare, c'est la troisième fois que je trouve. Lui, il avait pas trouvé en un an de jeu, mais bon. Le truc est hyper dangereux et hyper rare. Bon, t'as de quoi faire un feu ? J'ai de quoi faire un feu, ouais. On se retrouve au niveau du portail ? Ouais, je prends la carotte, là. Et une douzième fleur. Et j'arrive. Alors, pour vous dire, moi, j'ai un personnage en plus qui s'adapte bien dans le noir. Donc, ma santé mentale, elle baisse beaucoup moins vite. Moi, j'ai un personnage qui a de la lumière autour de lui, naturellement. Fuck la police. Je suis au portail. Mais ça veut dire que je survis la nuit. Non, parce que normalement on se fait attaquer par les créatures de l'esprit la nuit. Voilà, j'ai déjà une armure moi. Bien joué. Parce que fuck. Je sais même pas comment on la craft. Bah il suffit d'avoir 10. Ouais, 10 herbes. J'ai pas de bois, je peux pas faire un campfire. Ah merde. Je peux juste faire une torche. Ouais bah. On reste à côté. Reste à côté de moi. Histoire qu'on s'éclaire juste avec cette lumière là quoi. Oui. Waouh, ça va être une nuit passionnante, on va être comme ça en toute la nuit. Quoique toi tu peux te... Quoique on peut se balader avec ça. Ouais, on va se balader un petit peu. Et on va faire bien gaffe. Et il faudrait qu'on trouve du silex ou quoi. Ah oui, il faut du silex, voilà, c'est ce qui nous manque. On a du silex et c'est bon, on a... Il y a vraiment pas beaucoup de silex sur cette map, j'aurais pas vu encore alors que... Dans alors, le stade de la partie, on en voit quoi. Ce qu'on fait, c'est un peu du suicide.
Mais bon, c'est un petit MC4 plaid détente. Hein. On a essayé de tourner un truc tout à l'heure et le truc qui nous a donné qui nous a donné envie de virer Baban de la team, c'est bon, Baban est viré, hein, une fois de plus. C'est moi en puissant. Non mais j'ai cliqué dessus putain. Bon je te laisse la faire, moi j'en ai assez, je vais pouvoir faire un collier. Là, oh là, nous dernier. Faire le trap. C'est dans quel est-ce qu'il faut une machine de science pour un collier de fleurs? Je sais pas, mais fais gaffe, t'as une araignée qui a voulu crocher dessus. Du silex. Du silex, ok, ramasse. Par contre, j'ai des araignées devant moi. C'est la nuit, c'est la nuit. Selby, rejoins-moi. Rejoins-moi. Je te vois. Idée de merde. Du silex. Ah, viens, suis-moi. Suis-moi, on s'échappe. J'ai du silex si tu veux, attends, je peux t'en donner. Ouais. Elle bouge pas. Le meilleur début de partie ever. Allez, cours. Ah, ok, j'arrive. Ah, arrive. Viens. Là, cours par là. Ouais. c'est des vraies nuits dans Starve, hein. Je pense que vous l'aviez compris. Et on se fait massacrer en 2 secondes si on sort de la lumière. J'ai vraiment bien choisi mon perso pour une fois. Tiens, attends, je te donne. Ah ouais. Oh putain, je peux pas l'équiper, surtout pas. Va falloir attendre que le jour se lève avant de l'équiper. Non, donne-le-moi. Tiens, arrivé de la deuxième personnalité de Tarjoff. Viens, on essaye de trouver un arbre. Ok. Cherchons un arbre, un nuit noir. Plus haut. Nous sommes en train d'essayer de chercher un arbre dans la nuit noire. Hein. Et ton briquet fait moins d'éclairage qu'avant. Oh putain. Et moi c'est l'impression que j'ai. Tu t'avances? Tu te colles à moi? Hein? Wow. Ah ça y est. Par contre le jour se lève d'un coup. Hein. Ouais. Bon ce serait trop compliqué. Si. Tu as la hache? Ouais. J'ai des graines si on a besoin de bouffer. On va suivre la route, ok, on va avancer petit à petit. Ah, tiens, le crâne blada, j'avais pas remarqué, tiens. Ah, moi ça va quoi. C'est quoi qui permet de faire un collier de fleurs dans un craft? Je sais pas du tout, je crois qu'on l'a même pas encore développé donc. Ouais, faut la machine de science quoi. Ouais, et pour ça il nous faut une pioche, et pour avoir une pioche il nous faut du silex. Donc, il faut de la stone, de l'or. C'est un peu compliqué. Il va nous falloir faire un peu plus de silex que ça du coup. Non, vous entendez quelques bruits chez moi. Attends, je regarde. Science. YOLO. Ouais, la machine de science, il nous faut de la pierre et de l'or. Il nous faut 4 pierres, un or et quatre voies. Oui, et 4 bûches. Donc du coup moi j'ai faim, je vais peut-être manger un petit peu, mais j'aurais bien aimé cuisiner. Ah Snoop, tu vois là il y a un petit chapeau dans les barres de craft. Dans la barre de craft. Il y a un petit chapeau. Clique dessus. Il faut 12 fleurs exactement pour faire un. Voilà. Oui. C'est bon. Bah du coup j'ai plus de fleurs. J'aurais pris pile poil 12. C'est ouais, parfait. C'est bon. D'ailleurs la version Togetter est en. La version Togetter c'est encore une alpha il me semble, ou une bêta, je sais plus. Une bêta. Ouais une bêta. Tiens, une belle route là. Alors là, par contre, c'est une belle route pavée. On la suit. Oh, je coupe le gros arbre et je vais te laisser du bois. Je parle bien la France au silex. Tiens, j'ai pris une bûche. Est-ce que j'attaque l'abeille? Non, je sais pas. Ah, je suis suicidaire. Oh, une carotte. Attends. Viens par là. Et bouge pas. Voilà. Merci, il m'en manque plus que 2. Carotte. Ah. Les silex. Herbe. Carotte. Fleur. Cookies. Cookies. On est avec Tarjoff, hein, et avec personne d'autre que Tarjoff. Hein. Bon, il me manque une fleur. Tiens, c'est foutu un feu de forêt.
Ouais, non, évite. Ah bah non, tiens, une sœur. Non, pour, une Neville Flower. J'aime pas trop cette forêt, j'aime pas trop cet arbre. Le truc s'appelle Totally Normal Tree. Arbre totalement normal, qui a des yeux. Je te conseille de pas trop le provoquer. Bon, moi je prends des Evil Flower. Hein. Des Evil Flower. Ouais. Où est-ce qu'on est? J'aime pas du tout ce lieu, si tu veux savoir. Bon, je coupe l'arbre. Hein. Peut-être que ce sera un MC4 Play en deux parties, ce serait marrant. Cette partie-là, c'est juste pour vous présenter rapidement le jeu et vous montrer un petit peu ce qu'on fait dedans. J'ai coupé l'arbre. Hein. Il est très agréable à jouer hein, en termes de maniabilité et tout. C'est vachement cool. Et on va en faire un let's play bientôt. Et on a déjà commencé à tourner, c'est avec Fanax et Tinjoff, votre serviteur, qui est juste là. Oh, j'ai obtenu un living log. Un living log. Ouais, en cassant l'arbre qui te faisait flipper. Ah, j'ai plus de hache. C'est tant pis pour ta gueule. C'est à moi maintenant d'avoir la hache. Peut-être quoi faire un feu? Ouais. On va le faire en temps voulu. Évite un feu de forêt par contre. Hein. Ouais, donc. Ah, attends mes oreillettes. Le pauvre t'es un joueur. Ah, par contre, il faudrait vite fait pendant le crépuscule, je vais essayer de trouver une dernière fleur. Une dernière fleur. C'est vraiment le meilleur biome pour ça, c'est sûr. Hop. Voilà. Par contre, là on peut se faire des masses de bois ici. Hein. Je m'étonne. Bon, hop. Collier de fleurs donc. En quoi c'est ça? Wind. Voilà. Et ma santé mentale, c'est bien. Ça c'est mental et en baisse. Enfin, tu sais, je dirais. Mais... faire nuit. Hein? Il commence à faire crépuscule, ça fait en baisse. Donc, on arrête de couper les arbres et allume un feu. Allume un feu. Pas un foyer. Bon, non, on est qu'à la moitié du crépuscule là. Ouais. Donc, on s'éloigne pas trop les uns des autres par contre. Ouais, mais il faudrait. Et dès qu'on aura trouvé le moyen de tuer des animaux. Dès qu'on aura le moyen de tuer des animaux, il faudra le faire. Je peux pas invoquer Abigail. Il faut, en fait, pour invoquer Abigail, c'est cool. Viens, on va au niveau de la route. On va au niveau de la route. Ouais. Attends deux secondes. Je coupe un arbre. Ouais. Par contre, viens, il va commencer à fermer vite. Ouais. Attends, j'arrive. Voilà. Là, il le fait en plein milieu de la route, hein, parce que merde. Hein. Mince. Ah, si c'est bon. Hop. Alors. Il faut absolument s'éclairer la nuit. Hein. Ouais, sinon c'est fini. Sinon c'est la fin. Bon, moi je cuisine. Hein. Et moi je peux me casser où je veux. Au revoir. Hop. Salut Tinjoff. Je vais chercher ça, les trucs. Ça fait baisser ta santé mentale hein, de te casser. De casser au loin avec ton briquet, ça fait baisser ta santé mentale. Moins si t'en avais pas, mais ça te fait quand même baisser. Bon, pas de pluie, hein. C'est dommage, mais bon. Du moins, c'est l'impression que j'ai. Bon, moi, je mange, hein. Ah oui, en effet, dès que je me casse du feu, ça me fait une flèche négative. Et dès que bon, je fais une flèche positive. Je peux ajouter du fuel. C'est cool. Moi par contre ça me fait pas une flèche positive. Moi non plus ça me l'a fait que le temps de la mettre à moi, ça me fait... Non mais moi ça fait qu'une flèche qui descend. Ah ouais. Bah écoute, je crois que ton perso est complètement dépressif. Hein. Bon là j'ai bouffé tout ce que j'avais en tant que bouffe. Hein. Ah bah tiens. Ah ouais, toi tu peux éliminer le feu à l'infini avec ton briquet, non? Ouais. Ah oui, et il parle très bien si vous posez la question. Hein. De qui? Les persos. Ah oui. C'est comme le joueur de flûte dans Shrek, je sais pas si vous savez. Bon, ça devrait suffire, on va tenir. Ouais. Bon, de toute façon, c'est quasiment fini, là. Bon, par contre, moi, j'ai mon armure. D'ailleurs, t'as combien d'herbes sèches? Attends.
J'en ai pas mal. J'en ai plus que 3. Il t'en faut 10. J'en ai plus que 3 maintenant. Hein bah, je vais crafter. J'en avais 13. D'ailleurs, maintenant, si tu remarques, ça te prend plus tous les stacks. Il y a déjà une mise à jour sur le jeu. Quand tu cliques sur un item que tu as en plusieurs fois, ça te prend la moitié. Et tu peux réduire en recliquant sur l'item. Ah bon ? Quel clic ? Bah, le clic droit. Clic gauche. Clic gauche. Bah, ça me fait pas ça du tout, moi. Bah, moi, j'ai une. Là, j'ai des. Allez, j'ai des brindilles. Je fais un clic, ça me. Un clic gauche, ça me prend la moitié. Je fais un deuxième clic gauche sur le même. Mais sur l'item. Contrôle clic. Contrôle clic. Moi, j'ai pas besoin de faire le contrôle clic. Bon, on suit la route. T'es sur un PC portable ou un PC pas portable ? Un fixe. Ouais, un fixe quoi. Un PC pas portable quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai de quoi me faire des outils. Je vais attendre pour me faire une pioche. Hein. Tu peux m'attendre, s'il te plaît ? J'ai vu un arbre qui m'avait l'air sympa et j'ai envie de l'avoir pour Noël. Oh, je prends des brindilles, moi. Oh, un caillou. Pression. Allez, je te rejoins. Un grid. Je te rejoins, Tarjaf. Ouais, ben moi, je retourne ici. Hein. Des graines. Voilà, c'est bon, je peux mourir en paix. Oh, un homme cochon. C'est un zombie Pigman, quoi. Oh, il a une maison. Petite ressource de base, hein. Oh, un squelette. C'est gentil ou pas? Eh, hey, regarde là. Regarde, j'ai. Attends. Éventuellement des alertes, ta gueule. Oh, tiens, un squelette. Hop, des rochers. Bah, j'ai pris déjà ce qu'il avait. Les bon, cailloux. J'ai 4 cailloux, mais on en prend plus. Parce que ça peut être utile pour faire un foyer. Qu'un truc qui reste même quand tout en gros il peut pas s'éteindre. Il peut s'éteindre, mais tu peux le rallumer au même endroit, il bougera pas. C'est l'avantage. Pas comme un petit campfire qui ne sert plus une fois qu'on l'a utilisé pour une nuit quoi. Ouais, sauf si tu l'alimentes continuellement, ce qui est complètement. Et en fait, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le scénario du jeu ? J'ai pas trop cherché parce que j'ai pas encore le vrai jeu. Du coup, je sais pas vraiment le scénario, mais comment ça t'appelle le vrai jeu ? J'ai que la version Togutter en fait. Together. Pas Togutter. Togutter. Une araignée. Hein ? Il y a un nid d'araignée. Et je regarde les pigmen se. Tu as suivi la route ? Ouais. Et moi j'en profite. Et, tant qu'à faire, on pourrait peut-être éventuellement prendre de la bouffe. Regarde ta barre. J'en profite moi. Je vends de la viande de monstre. Oh. Et forcément avoir la même touche pour la caméra et pour. C'est pas pratique. Si tu as une hache, viens au niveau de la route. Là, viens. Viens, il y a un nid d'araignée vidé. T'es où ? Là, un peu plus loin. Oh. Ici. Coucou. Donc, ah, par contre, ça monte. Casse-le. Toi ou moi. YOLO. Yes. Récupère ce que tu peux. Moi, je vais voir s'il y a rien. Hein. Tu peux pas casser les pigous. Les quoi ? Les maisons. Ça fait quoi si tu cliques dessus ? Ça les analyse. Ouais, tu peux pas les casser. Ça veut dire ces cochons ont un goût questionnable en termes d'architecture. Bon, j'ai l'impression d'en entendre parler là. Alors la route elle est où ? Ah d'accord. Ah ouais, ils ont quand même un sacré village. Ça peut être un bon endroit pour s'établir. Peut-être, ouais. Mais n'empêche que le MC4PS fait long. C'était surtout un petit aperçu. Et donc j'espère qu'on vous aura mis l'eau à la bouche pour le let's play. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était Selbay. Oula. Ouh. Oula. Oh, je coupe le gros tard, ouais. Et je vais te laisser du bois.